مرحبا بمشتركي سابورانيت في الفيديو هذا ان شاء الله باش نصلح لكم سيري نيميرو 2 على الفورم دونك فورم تريغونوميتريك اي فورم اكسبونونسييل دونك نبدا بالاكزارسيس نيميرو 1 اون كونسيدير لي دو نومبر كومبلكس سويفون دونك زد 1 ايغال اكسبونونسييل اي بي سور 3 زد 2 ايغال اكسبونونسييل موان اي بي سور 4 écrire z1 et z2 sous forme algébrique, déterminer les écritures sous forme algébrique exponentielle et trigonométrique de z1 et z2, en déduire la valeur exacte de cosinus et sinus suivante, donc cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Okay? Donc ce sont des exercices, c'est vrai, vraiment simple, ou avec les problèmes, okay? Donc puisqu'il est complexe, partie je dis d'un bac. Okay? Donc, bien sûr, on a d'abord l'exercice dernier. On a d'abord la question numéro 1. Donc, ratini z1 égale exponentielle ip sur 3 et z2 égale exponentielle moins ip sur 4. Donc, écrire z1 et z2 sous forme algébrique. Donc, z1 égale 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ok? La ratine ou cosinus, bien sûr, égale module de z1. Cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Okay? Donc, elle a le module de Tahao égal à 1. Donc, égal à 1, l'énergie dit 1. Cosinus pi sur 3 moins 1 demi et sinus pi sur 3 égale à la racine de 3 sur 2. Okay? De même pour z2. Donc, z2 égale module de z2. Cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà. Donc, le module de la 1, donc égal cosinus moins pi sur 4, donc racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Voilà. Et d'abord, le format algébrique de z1 et z2. Okay? Donc, question numéro 2. Écrire, donc déterminer les formes algébriques exponentielles et trigonométriques de z1 fois z2. Donc, z1 fois z2, tout simplement, puisqu'elle a dit forme exponentielle, donc l'abdab forme exponentielle, on dit exponentielle ip sur 3 fois exponentielle moins ip sur 4, donc égale exponentielle ip sur 12, voilà. Donc ip sur 3 moins ip sur 4, donc l'aîné exponentielle ip sur 12, on dit 4 pi moins 3 pi, donc même dénominateur, l'aîné exponentielle i pi sur 3 moins pi sur 4, donc pi sur 3 moins pi sur 4 égale à pi sur 12, ok? On dit pi sur 3, c'est-à-dire fois 4, moins pi sur 4, fois 3, donc égale à 4 pi moins 3 pi sur 12, donc est égal à pi sur 12. Et dans la forme exponentielle, donc forme bien sûr algébrique, d'abord, on dit nz1 égale, donc 1 demi plus i racine de 3 sur 2, fois z2, il y a racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, je vais tout simplement, on dit 1 demi, 1 demi, le colonne, donc l'énergie, on dit 1 demi fois 1 demi, donc 1 quart. Je vais m'en parler, 1 plus i racine de 3, fois racine de 2, moins i racine de 2. Donc, développement simple, je vais tracer le l'air. Donc, racine de 6 plus racine de 2 sur 4, plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, elle est ici. Bien sûr, z1 fois z2. Okay? Z1 fois z2, elle est où elle forme algébrique. Donc, l'aîné, elle forme trigonométrique tout simplement. Donc, z1 fois z2 égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Okay? Puisqu'on dit forme exponentielle, on est donc exponentielle i pi sur 12. Donc, question de déterminer la valeur exacte de cosinus pi sur 12 ou sinus pi sur 12. Donc, par identification, cosinus pi sur 12 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et sinus pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, par identification entre forme trigonométrique et forme algébrique. Voilà. On passe à l'exercice suivant, donc écrire 1 plus i racine de 3 et 1 moins i sous forme trigonométrique et simplifier z qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i à la puissance 20. Okay? Donc, bien sûr, je n'ai pas la question numéro 1, donc forme trigonométrique de 1 plus i racine de 3 et 1 moins i. Donc, soit z1 égale
1 plus i racine de 3. Donc module de z1 égale racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc est égal à racine de 1 plus 3 égale à racine de 4 égale à 2. Donc top change à la θ. Donc cosinus θ bien sûr égale à 1 sur module sur 1 demi et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Donc un est l'angle et le cosinus θ 1 demi et sinus racine de 3 sur 2, θ donc égale pi sur 3 modulo de pi. Enfin, mais des angles remarquables, pardon, pi sur 3, ils ont un tab de ok. Donc, bien sûr, entre un cercle trigonométrique ou la tab de Hafdin, ou bien, je suis de tab de Hafdin, les applications et tout. Donc, ainsi, donc, je suis venu les années les faites, donc, surtout la troisième année, je suis venu à l'exponentiel et pi sur 3. Quand on a un haj en citant, bien sûr, je suis venu à les vidéos de Saburanet dans la troisième année, il fait ma colchain mon jour, ok. Donc, Z1 égale à 2, module exponentiel et pi sur 3. Donc, l'année, je suis sur Z2, Z2 qui est égal à 1 moins i. Donc, module de Z2 égale racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, donc égale à racine de 2. Okay? Donc, je trouve θ, donc cosinus θ égale 1 demi, 1 sur racine de 2, pardon, et sinus θ égale moins 1 sur racine de 2, donc ce qui donne l'année θ égale moins pi sur 4. Donc, bien sûr, modulo de pi, donc l'année a dit Z2 égale racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Voilà. Donc, la question les bas à simplifier. 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i à la puissance 20. Okay? Donc, tu as une simplification, bien sûr, je une forme exponentielle. Donc, question suivante. Donc, question 2. Indice z égale 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i à la puissance 20. Donc, est égal à z1 sur z2 à la puissance 20. Okay? Donc, n z1. A dit une forme exponentielle t a de même pour z2. Donc z1 égale à 2 exponentielle i pi sur 3 sur z2 lié racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 qu'on a la puissance 20. Okay? Donc il change statine 2 sur racine de 2, bien sûr, statine racine de 2, 4 2 lié racine de 2 fois racine de 2. On a dit exponentielle i, donc pi sur 3. Plus pi sur 4. Voilà. Donc, il y a 7 pi sur 12. Bien sûr, maintenant, c'est j'ai l'écoule à la puissance 20. Donc, égale à racine de 2, exponentielle 7, donc i 7 pi sur 12, à la puissance 20. OK? Donc, on va mettre une chance d'année. Donc, on va simplifier. Donc, simplifier z, donc, égale racine de 2 à la puissance 20, exponentielle i 7 pi sur 12 à la puissance 20. Donc, racine de 2 à la puissance 20 égale, bien sûr, il y a 2 à la puissance 10. Donc, je connais le collège. La racine, l'année a dit donc 20. Donc, je termine 20 sur 2. Ok? Voilà, l'année a dit paire, nombre pair, donc on a dit racine. Donc, je m'entends à l'année, racine, par exemple, on a dit racine de 6 à la puissance 14. Il y a 6 à la puissance 7. Okay? Je m'entends racine de 6 à la puissance 14. Racine de 6 fois, racine de 6, 14 fois. Donc, il y a 6 à la puissance 7. Il y a un nombre pair, donc normal, donc 2 à la puissance 10. Donc, quand il y a l'exponentielle, bien sûr, l'année exponentielle i 7 pi sur 12 à la puissance 20. Donc, exponentielle i 7 pi sur 12 à la puissance 20 égale exponentielle 20 fois 7, donc 140 i pi sur 12. Voilà. Donc, l'année, je suis starting here, donc 140 sur 12. Donc, il y a bien sûr, je suis demain, je trace la l'air moins pi sur 3, donc je finis ma demande de deuxième année. Donc, 140 pi sur 12 égale donc 6 fois 24 pi sur 12, mais 140 il y a 6 fois 24, bien sûr, moins, mais c'est moins 4 pi sur 12. Ok, 6 fois 24 moins 4. Ok, donc l'année je m'obstatine égale l'année a dit 6 fois 24 sur 12 en mode simplification par 12, donc l'année je t'appelle 2 fois 12, 6 fois 2 pi, donc égale 6 fois 2 pi moins pi sur 3. Mais 4 pi sur 12, il y a pi
sur 3. Donc, les nechnops statini, donc 12 pi moins pi sur 3, donc est égal moins pi sur 3 modulo 2 pi. Okay? Donc, il y a moins pi sur 3. شوف نعم في الدوزيام عليا دوما كيفاش نعطي اوتر كريتور دونك في الاخر باش نتحصل على زد دونك كيت ايغال دونك 2 على بوسونس 10 فوا اكسبونونسييل موان اي بي سور 3 فوالا دونك 2 à la puissance 10, donc 2 à la puissance 10 égale 1024. Donc, pour le calculatrice, ne nous intéresse pas. Donc, z égale, et le module interne, donc 1024 cosinus. Donc, l'angle interne, il y a moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Donc, qui est égal, je mets la cosinus sinus de notre angle. Donc, 1 demi moins racine de 3 sur 2 i. Voilà, on a tout simplement simplification. 512 moins 512 racine de 3 i. Voilà, ça c'est z. Ok? Donc, on parle de l'exercice libard. On donne les nombres complexes suivants. Donc, Z1 égale à 5 racine de 2, 1 plus i. Z2 égale à moins 5, 1 plus i racine de 3. Déterminer le module et un argument des nombres complexes Z1, Z2, Z1 bar et 1 sur Z1. Soit Z le nombre complexe tel que Z1, Z égale à Z2. Écrire Z sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique. Déduisez-on les valeurs exactes de cosinus 13 pi sur 12 et sinus 13 pi sur 12. Voilà, donc... نبدأ نصلح الإكزارسيس إنترنا دونك عندي هنا لي نومبر كومبلكس Z1 إيكال 5 راسين دو 2 فوا 1 بلس إي إي Z2 إيكال موان 5 دونك 1 بلس إي راسين دو 3 دونك كيستيون نوميرو 1 ديتيرميني لو موديول إي لارغيمون دي نومبر Z1 إي Z2 دونك موديول دو Z1 إيكال دونك لهنا موديول دو Z1 دونك نومبر كومبلكس Z1 دونك إيكال لهنا عندي موديل دو 5 راسين دو 2 تو سامبلومون 1 بلس اي دونك باش نرجع للموديل دو 7 اكريتور دونك هنا جو نخرج 5 راسين دو 2 موديل دو 1 بلس اي فوالا دونك ايغال 5 راسين دو 2 موديل دو 1 بلس اي فوا راسين دو 2 1 او كاري بلس 1 او كاري اون راسين دونك راسين دو 2 ايغال 5 فوا 2 ايغال 10 فوالا دونك تو باش نشوف على لارغيومون دو زيت 1 دونك كوسينوس تيتا 1 ايغال 5 راسين دو 2 سور 10 Okay. Donc, est égal à racine de 2 sur 2, en mode simplification par 5, et sinus θ1 égale 5 racine de 2, donc sur 10, de même, donc égale racine de 2 sur 2. Donc, ce qui est dans le nez, l'angle et les sinus θ égale cosinus égale racine de 2 sur 2, donc θ1 égale à pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Donc, top, je me tarde à la Z2, bien sûr, module de Z2. Module de Z2, donc, égale, donc, l'année module de moins 5, 1 plus i racine de 3, donc, égale 5, l'année, voilà, module de 1 plus i racine de 3. Le bénéfice, il y a un trou positif, l'année, donc, il y a 5 fois l'année racine de 1 plus racine de 3 au carré, donc, plus 3, donc, racine de 4, 2, 5 fois 2 égale 10. Voilà, donc tant que je trouve cosinus θ2 égale moins 5 sur 10, donc est égal à moins 1 demi, et sinus θ2, donc égal à moins 5 racine de 3 sur 10, donc égal moins racine de 3 sur 2. Donc l'angle et les sinus θ égale moins 1 demi, et cosinus θ égale moins racine de 3 sur 2, donc θ2 égale à moins 2 pi sur 3, bien sûr modulo 2 pi. شوف لهنا كان نسيتو لي زونغل ما عرفتوش طلعوهم طب باش نعمل لكم فيديو وحده على بالكالكولاتريس كيفاش تطلعوا لي زونغل اوكي دونك تابعوني على سابورانيت ان شاء الله ما نخلي حتى شيء معناتها ما نوريهولكمش باش نوريكم اون كاو بيان سور ما عرفتوش تطلعوا لي زونغل بتاعكم نسيتوهم ما عندكمش سيركل تريغونوميتريك تحبوا تزيدوا تثبتوا اكثر دونك ان شاء الله باش نعمل لكم فيديو ابار فيه الكالكولاتريس كيفاش نستعمل لي زاستوس معناتها كيفاش نستعمل بيان سور كالكولاتريس سيانتيفيك لازم تكون تبدا عندكم كالكولاتريس سيانتيفيك باش تعدوا بها البنك دونك باش نشوف زد ان بار دونك زد ان bar, bien sûr, module de Z1 bar égale à module de Z1. Je vais faire les résumés, donc est égal à 10. Donc, argument de Z1 bar égale moins argument de Z1. Donc, argument de Z1 au pi sur 4, donc égal à moins pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Donc, top, je chauffe 1 sur Z1. Donc, module de 1 sur Z1 égale à 1 sur module de Z1 qui est égal à 1 sur 10.
Et argument de 1 sur z1 égale moins argument de z1. Okay? Donc, est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Donc, nous allons appliquer direct les formules internes. Ok. Ah, la question 2. Donc, soit z le nombre complexe tel que z1 fois z égale à z2. Donc, petit 2. Donc, z1 fois z égale à z2. Donc, question, écrire z sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique. Donc, l'aîné ce qui donne grand z égale à z2 sur z1. D'où l'aîné module de grand z, donc égale module de z2 sur module de z1. Indien module de z2 égale à 10, ou égale à 10, donc égale à 1. 10 sur 10, bien sûr, égale à 1. Argument de grand Z égale argument de Z2 sur Z1. Okay? Donc, est égal argument de Z2 moins argument de Z1 modulo de pi. Donc, le coup, je vais faire le rappel. Okay? Donc, le coup, je vais faire le rappel. Donc, égal argument de Z2 moins argument de Z1. Donc, Z2 est moins 2 pi sur 3. Moins argument de Z1, maintenant moins pi sur 4, modulo de pi. Donc, il est égal à 13 pi sur 12, modulo de pi. Voilà. Donc, l'année, je vais mettre la forme trigonométrique de Z. Donc, Z égale modulo de 1, donc cosinus 13 pi sur 12, plus I sinus 13 pi sur 12. La forme algébrique de Z, donc Z égale à Z2 sur Z1. Donc, on a la forme algébrique de Z. 1 et Z2, donc 1 plus I racine de 3 sur 5 racine de 2 fois 1 plus I, donc je fais une série tout l'année, donc égale l'année moins N demi, en mode simplification par 5, moins 1 sur racine de 2, pardon, donc je t'apprends 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I, je ne devrais pas faire 1 moins I, qui me redonne les séries tout l'année, donc 1 moins I sur 1 moins I, donc je n'en t'attends pas l'année, et les, bien sûr, je t'attends pas 1 plus i et 1 moins i, j'attends l'année, donc 1 au carré plus 1 au carré, donc j'attends 2, donc égale 1 sur 2 racine de 2, mais je signe moins pi, donc je t'en prends l'année, je n'en développement, donc il y a 1 plus i racine de 3 fois 1 moins i, ok? Donc je t'en trace le l'autre, donc finalement je trace la forme pi, il y a moins racine de 2 moins racine de 6 sur 4 plus i racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Voilà. Donc, je vais vous faire racine de 2. Je vais vous faire l'autre. Je vais vous faire l'écriture. Je vais vous faire moins 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Plus i fois 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Je vais vous faire l'autre racine de 2. Je vais vous faire l'autre. Ok. En égalisation, les formes algébriques et trigonométriques de Z, donc je me donne là les valeurs exactes de cosinus 13 pi sur 12. Donc cosinus 13 pi sur 12 égale Heli et sinus 13 pi sur 12 est Heli. Okay.